Bonjour à tous, c'est Uncle Neglosk et ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo sur un jeu vidéo tout simplement. Et on est de retour du coup avec ce magnifique jeu que l'on appelle Plague Inc. Ce jeu est particulièrement d'actualité puisqu'on est tous infectés avec le coronavirus bientôt et que le principe du jeu de Plague Inc. est assez simple. On doit créer une bactérie, un virus ou divers micro-organismes qui vont devoir infecter l'humanité tout entière afin de la détruire. C'est un petit peu bizarre comme principe à la base, je l'admets. C'est pas grave, on va y jouer quand même. On va faire avec ça, là, cette merde, les fungus. C'est grave chiant à faire. Mais bon, c'est pas grave. On a des gènes activés, mode normal. On va nommer ça. Ah oui, Agnès. Série Kelly. Parfait, bienvenue dans Plague Inc. Et on va faire partir ça de son pays natal, la France. Aux Français, c'est un cadeau. On va lui faire éclater ses spores, ce connard. Comme ça, on va infecter plein de pays d'un coup. Agnès Thierry-Figeli est un fungus. Fungus. Champignon. Maintenant qu'on a 21 personnes infectées, mais dans plein de pays différents, on va pouvoir continuer à faire augmenter l'infectiosité de manière tranquillou. Vu que j'arrête pas de me faire repérer, je pense, ce qui est intelligent, c'est d'avoir aucun symptôme, que la maladie soit pas détectable, mais que toute la Terre soit infectée. Transmission par air, la base. On va accélérer un peu le temps parce qu'on s'emmerde un petit peu. Yay. Il a été découvert. Devolve, 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 devolve. Merde alors. Waouh. Bravo. Comme vous pouvez voir, ça infecte très très vite quand même. Quand ça arrive dans un pays, ça infecte assez vite. J'ai aucun symptôme pourtant. Direct. Mais vous avez aucun infecté. Cette partie a aucun sens. Christine. Boutin, voilà, comme ça. C'est parfait. Le but, c'est quand même que Christine Boutin ne soit pas découverte. On va appeler ça le syndrome Christine Boutin. Évolution, dévolution, dévolution, dévolution. Hop, oui. On fait évoluer Christine Boutin comme un pigeon. Comme ça, les gens ne vont pas reconnaître ma maladie. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau casque encore. Parce qu'en fait, j'ai pas réinstallé tout mon matos, donc j'utilise un autre casque que j'ai en backup. J'ai pas réinstallé mon micro, etc. Donc là j'utilise un casque que j'ai en plus, mon Microsoft Live Chat LX3000. Alors vous avez certainement vu un modèle similaire dans d'anciennes vidéos, mais il a été cassé depuis, c'est un nouveau. Hop là, transmission, il me manque 3 points d'ADN, ça va être très vite je pense. Ouais, très vite. Parfait. Zoonose extrême, comme ça. Ça se propage vite. Ouh, très vite. Non. Je sais que tu nous provoques la nausée, Boutin. Mais non, on n'en veut pas. Est-ce qu'il nous reste un pays où il n'y a personne d'infecté? Non, tous les pays sont concernés par l'infection. Super. Si ça, ça s'infecte pas. Mais là, c'est ces deux pays qui me posent problème. Là, ça évolue pas ici. Quoique là, oui, pas mal petit à petit, mais là, non. On va essayer. Putain, allez. On va essayer, on a rendu. Je pense que je vais perdre encore une fois, je ne sais pas comment faire. Je partirai du Groenland la prochaine fois. Bon, on a fait trop de conneries. On essaiera une prochaine fois, je pense, de gagner. Là, pour l'instant, c'était que des défaites. Ah! Merde. Bon, bah voilà, on va mourir. On a perdu. Le virus va être éradiqué. Trop tard. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, il est écrit défaite sur mon écran. Merci.
Christine Boutin a été éradiquée. Remarque, c'est pas forcément le plus mal. Enfin bref, ceci était Plague Inc. pour une première petite vidéo retour. On va en faire plus souvent maintenant que je peux en refaire. Et je ne vais pas en faire que sur Plague Inc. Je reprévois du Minecraft, de plein de choses. Donc bref, restez connectés. À bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous.